Je m'appelle Amélie, j'ai 24 ans, je suis indépendante esthéticienne et je proviens d'Eusy. J'ai participé au casting de la Médiacité vraiment comme un défi car j'adore la mode et le mannequinat et je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance. Le shooting était vraiment très amusant, on retombe un peu en enfance avec le trampoline. J'ai vraiment adoré et s'il faut le refaire, je le referai encore. Je m'appelle Didier, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai un enfant de 18 ans. J'ai participé par hasard en baladant dans la galerie avec mon épouse. On était venu pour chercher une paire de bottes. J'ai attendu 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Puis j'ai vu une affiche où on demandait des candidats pour représenter le visage de la Médiacité. Et j'ai postulé, ça m'a pris un quart d'heure, beaucoup plus rapide que pour acheter une paire de bottes. L'expérience est bien passée en fait, le casting s'est bien déroulé. Le shooting photo pour physique quand même, quel trampoline, c'était pas vraiment mon truc. Mais parfait, une belle équipe, une belle ambiance. Je m'appelle Benoît, j'ai 23 ans, alors je suis étudiant à Bruxelles en psychologie. Je n'aime pas faire mon shopping à Bruxelles et on m'a déjà parlé de la Médiacité de Liège et j'ai été une fois. Et par hasard, je suis tombé sur ce casting de Médiacité. Je me suis dit, bah écoute, envoie une photo, t'as rien à perdre. Donc c'était un vrai hasard, ça a fonctionné. Je m'appelle Elitia, j'ai 4 ans. Je suis sautée sur un trampoline. Mais j'ai pas lui parler, j'ai pas sourire. En tout cas,